Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravi d'apprendre que le prix Maison de la Presse 2021 vient d'être décerné à mon roman, Le Bureau des Affaires Occultes. Et donc, je remercie évidemment les organisateurs, tout le réseau des maisons de la presse et puis le groupe Nap. Et puis, un grand remerciement aussi aux membres du jury et à la présidente de ce jury, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. J'ai évidemment, dans ce moment très heureux, une pensée pour mon agent, Isabelle Lafont, qui m'a fait confiance maintenant depuis un certain nombre d'années et qui m'a accompagné tout au long de l'écriture de ce roman. Et grâce à ses précieux conseils, eh bien, j'ai pu donner vie à ce personnage d'inspecteur, Valentin Vern, d'inspecteur de la Sûreté. Et puis, je remercie aussi toute l'équipe d'Albin Michel qui s'est mobilisée autour de ce roman. Gilles, Maëlle, Nathalie, Richard, Florence, Marie et tous les autres qui se reconnaîtront. Ils ont tout de suite cru à ce livre et ils ont tout fait pour qu'il touche un très large lectorat. Alors, je suis d'autant plus heureux de recevoir ce prix que c'est un prix décerné par des libraires et j'ai une relation toute particulière avec les librairies puisque mes parents, quand j'étais jeune, m'ont fait peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, puisqu'ils ont promis de ne jamais me refuser l'achat d'un livre. Et du coup, pour moi, les librairies ont toujours été un peu des sortes de cavernes d'Ali Baba. Et notamment lorsque nous partions en vacances avec mes parents et mes frères, eh bien, l'une des premières choses que nous faisions lorsque nous arrivions dans notre lieu de villégiature, c'était de repérer la maison de la presse, parce que nous savions que nous allions y passer pas mal de temps pour choisir les livres que nous allions lire pendant l'été. Donc ça me touche particulièrement d'être récompensé de ce prix-là. Alors voilà, j'espère que les lecteurs vont eux aussi apprécier ce thriller historique, qu'ils vont pousser la porte du Bureau des Affaires Occultes et découvrir ce jeune inspecteur, Valentin Vern, qui va les embarquer dans une double enquête, puisque sous le régime de Louis-Philippe en 1830, Valentin va mener deux enquêtes en parallèle. D'abord, il traque un mystérieux criminel qui s'appelle le vicaire. Et puis, on va le charger également d'enquêter sur une série de morts mystérieuses qui seraient susceptibles de déstabiliser le royaume. Et comme c'est un policier qui possède une forte culture scientifique, eh bien, il va mettre en œuvre tout son savoir pour essayer de percer ces deux mystères. Donc voilà. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ce livre et je vous remercie encore du fond du cœur pour cette récompense. Merci.